Le cheval, écrit Paul Valéry, le cheval marche sur les pointes. Quatre ongles le portent. Nul animal ne tient de la première danseuse de l'étoile du corps de ballet comme un pur sang en parfait équilibre que la main de celui qui le monte semble tenir suspendu et qui s'avance au petit pas en plein soleil. Si nous avons choisi de commencer ainsi, c'est que dans cette page, Paul Valéry va dévoiler l'un des traits constants de son esprit. Degas, écrit-il, fut l'un des premiers à étudier les vraies figures du noble animal en mouvement au moyen des photographies instantanées du major Muir Bridge. Rappelons, pour le plaisir, ces merveilleuses photographies qui rendaient manifestes, dit Valéry, les erreurs que tous les sculpteurs et les peintres avaient commises quand ils avaient représenté les diverses allures du cheval. Bien. C'est maintenant que l'esprit de Valéry va nous montrer son caractère. Face à toutes ces erreurs commises par les peintres et les sculpteurs, Valéry écrit, de point ouvrez les guillemets, « Et peut-être, si l'on examinait avec assez de subtilité ces représentations de jadis, trouverait-on la loi de falsification inconsciente ?» Point de suspension, j'arrête la citation. Ainsi, Valéry aimerait, voudrait que soit trouvée la loi à laquelle on obéissait lorsque on commettait des erreurs. On imaginait l'animal en action comme on croyait le voir. Et il ne serait pas sans intérêt, écrit Valéry, de chercher, par comparaison de documents, à préciser cette sorte de création par laquelle l'entendement comble les lacunes de l'enregistrement des sens. Résumons. Muir Bridge arrive. Point. Il est permis de ne plus se tromper. Certes. Mais du même coup, il y a quelque chose de nouveau à chercher. La loi des erreurs passées. Il nous a semblé que ce court paragraphe exprimait bien et simplement le formidable esprit de recherche de Valéry. Esprit de recherche qu'il exerça sur son propre esprit toute sa vie. Et tôt, il est tout jeune, il a 18 ans, il est en vacances. Il écrit à son ami Fourmand « Je me repais ici de sensations. Les odeurs, les couleurs, les sons insolites m'entourent et je les recueille et je les classe et je les décompose en moi. » Certes, il s'agit de sensations, mais recueillies, classées, décomposées. Il n'y a pas la moindre sécheresse dans ce propos. La phrase se termine en fait par ces mots, de point, ressuscitant ainsi des trésors de souvenirs. La mémoire est chaude et classée, prête à tout départ, prête à partir. Si nous reprenons cette même lettre à son ami Fourmand, nous y trouvons quelques lignes qui pourraient être presque le commencement d'une biographie. « Il y a en moi, écrit Valéry, un atavisme prédominant. Je descends d'une de ces familles curieuses des républiques italiennes du XVe siècle, les Galea Visconti de Milan, et je vis à cette époque. Cet atavisme n'est pas un rêve. Certes, Paul Valéry ne descend pas directement des Visconti, mais Octave Nadal, qui a édité la correspondance Paul Valéry-Gustave Fourmand, nous dit que, remontant sa généalogie, Paul Valéry peut parler de l'illustre famille des Visconti. Voici comment. Le père de Paul Valéry, Barthélemy Valéry, est corse, d'une famille de marins et de pêcheurs. Venu sur le continent, Barthélemy Valéry a fait à Sète toute sa carrière dans l'administration des douanes. À Sète, il a rencontré, épousé, une demoiselle Grassi, née à Trieste. Elle est la fille du consul d'Italie à Sète. C'est elle la mère de Paul Valéry. Et son grand-père, il y a quelque temps,
a épousé une Visconti. Nous y voilà. C'est ainsi que Paul Valéry est né à Sète le 30 octobre 1871. Il y vivra ses 13 premières années. Il y fera ses premiers dessins. Il a toujours dessiné pour mieux voir. On le sait, Sète, le port, la mer, le Mont Saint-Clair, le cimetière marin ne quitteront jamais le cœur, l'esprit de Paul Valéry. Être né à Sète est pour Valéry une chance, un privilège. La preuve. 71 ans après sa naissance à Sète, Valéry acceptera de traduire à sa façon les bucoliques de Virgile. Ce sera une merveille. Pourtant, à ce propos, Valéry écrit « La vie pastorale m'est étrangère et me semble ennuyeuse ». La vue des sillons m'attriste. Le retour des saisons et de leurs effets donne l'idée de la sottise de la nature et de la vie. Gagner son pain à la sueur de son front, cette formule m'a toujours paru ignoble. Que si l'on me reprend sur ce sentiment que j'avoue et que je ne prétends pas défendre, je dirais que je suis né dans un port. Point de champs alentour, des sables et de l'eau salée. On n'y connaissait le bétail qu'à l'état de cargaison plus morte que vive. Pauvres bêtes suspendues entre ciel et terre, troupeaux poussés vers les trains sombres sous le bâton des pâtres sans pipeau. Sans pipeau, et le voilà qui traduit les bucoliques. Autre exemple. 57 ans après son entrée au collège de Sète, Valéry y retourne, académicien français, pour présider la distribution des prix. S'adressant aux élèves, il dit « Et puis, regardez par-dessus les toits. Vous avez une grande chance dans ce collège. Si vos yeux s'élèvent du livre ou du cahier, ils se posent sur la mer. J'ai eu, moi aussi, la chance d'avoir, comme à la disposition de ma distraction, la vue de cette mer et de ce port tourné vers l'Orient. Il m'arrive parfois d'en parler fort loin d'ici, dans mes conférences, à l'étranger, et l'on me demande assez souvent « qu'est-ce que Sète ?» Je suis d'abord vexé de la question, mais je reprends bientôt ce sentiment. Je leur dis que nous habitons une île singulière, qui se rattache tout juste au continent par deux bandes de sable fin. Quant aux odeurs et aux goûts, Agide, plus tard, il écrira « Une seule odeur artiste, le sel, un peu la houille, le vent salé qui nous donne la sensation de respirer de l'étendue, la vue de la mer qui échappe à certains, je cite, sachant horizontal le niveau des eaux tranquilles, ils méconnaissent que la mer est debout au fond de la vue. Saluons Sète en récitant les 6 premiers vers du cimetière marin. Ce toit tranquille où marchent des colombes entre les pins palpitent entre les tombes, midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Aux récompenses après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Et les derniers vers
rompez vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picorait des phoques. À propos du cimetière marin 1920, Paul Valéry a dit à Frédéric Lefebvre: quant au contenu du poème, il est fait de souvenirs de ma ville natale. C'est à peu près le seul de mes poèmes où j'ai mis quelque chose de ma propre vie. Le cimetière existe, dit Valéry à Lefebvre. Il domine la mer sur laquelle on voit les colombes, c'est-à-dire les barques des pêcheurs, errer, picorer. 2 ans plus tard, Valéry écrit à André Gide: hier, j'ai fait brusquement une ode. Je saute quelques lignes. Quand j'improvise ainsi, et que ce n'est pas très mauvais, dit Valéry, ça ressemble au cimetière marin comme voix et mouvement. Le cimetière marin serait donc le type de ma poésie vraie, et surtout les parties plus abstraites de ce poème. Paul Valéry. Le cimetière marin, fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, fragment terrestre offert à la lumière, ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierre et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux. Ici venu, l'avenir est paresse, l'insecte net gratte la sécheresse, tout est brûlé, défait, reçu dans l'air, à je ne sais quelle sévère essence, la vie est vaste, est entière d'absence, et l'amertume est douce, et l'esprit clair. Après avoir passé, très heureusement, 13 ans à Sète, Paul Valéry suit sa famille à Montpellier, où son frère aîné a des études à faire. C'est au lycée qu'il connaîtra Gustave Fourmand, le camarade qui deviendra un ami fervent. Ils vont s'écrire pendant 50 ans. Fourmand, plus tard, dira à Valéry: c'est donc en 3e que j'ai eu le bonheur de te rencontrer. Je te vois encore encapuchonné pendant l'hiver. Je suis bien malheureux que mon attachement soit devenu de la passion. À cette passion, Valéry répondra calmement. Fourmand sera son premier lecteur, comme Bouillet fut celui de Flaubert, un lecteur écouté. Nous pourrions dès maintenant vous montrer les hauts lieux de Montpellier, ceux qu'aimait Valéry et qu'il partageait avec ses amis. Le jardin botanique, le Pérou, les abords de la cathédrale. Mais pour les mieux voir, il faut attendre un peu. Il s'y promènera bientôt avec des jeunes gens importants, ce qui attristera Fourmand. Que M. Berthollet nous pardonne si nous avons trop lu sa biographie de Paul Valéry. En lisant et relisant les pages sur les années de jeunesse, nous avons l'impression de comprendre ce qu'il y a d'exceptionnel dans le cas de Valéry. Paul Valéry, 18 ans, il écrit, ou plutôt il compose des poèmes. On peut imaginer le bonheur, la fierté que composer peut apporter. Il semble que le jeune Paul Valéry soit dès ce moment insatisfait. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas comment il fait ce qu'il fait. Et c'est ce « comment » qui l'intéresse, qui lui importe. Et il en sera toujours ainsi. Voyons ses lectures. De Victor Hugo, Paul Valéry est passé, en changeant à Notre-Dame de Paris, au dictionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc. Ce dictionnaire, Valéry, tout jeune, a le projet de le résumer en images, en dessins. Ce cahier le prouve, que François Valéry, son fils cadet, a bien voulu nous montrer. Un architecte sait comment il fait ce qu'il fait. Mais ce qui sépare le jeune Paul Valéry de l'architecture, c'est la géométrie,
qui, comme l'algèbre, lui manque. Il a passé son bachot sans y faire attention. Mais l'architecture l'intéresse si complètement que son ignorance en mathématiques ne le gêne pas encore. Le voici qui dévore la grammaire de l'ornement d'Owen Jones. Quel rapport, vous demandez-vous ? Voici. L'ornement, écrira plus tard Paul Valéry, consiste à créer matériellement, à matérialiser ce que l'œil créerait de soi-même s'il était doué d'une puissance qui lui permit de projeter ses désirs. Mais comment devancer les désirs de l'œil ? Avec des mots, impossible. C'est à ce moment-là, on dirait un conte de fées, que Paul rencontre Pierre, Féline, son voisin qui prépare Polytechnique. Et Pierre lui décrit les admirables constructions transcendantes de la science pure, lui fait deviner les beautés de l'univers mathématique. Le voisin, Pierre Féline, devient le merveilleux prof de maths que Paul n'a pas eu. Les deux compères, écrit Denis Berthollet, prennent leur temps. Ils peuvent s'arrêter à loisir sur un problème et le décortiquer jusqu'à ce que tout mystère en soit évacué. C'est ainsi, écrit M. Berthollet, que Paul aimerait pouvoir précisément lire un poème en l'épuisant. C'est au cours de ces noces mathématiques que le jeune Paul Valéry découvre le livre de Huysmans, Harbour. C'est un guide de la perfection décadente. Le mal de la littérature faisait en moi des progrès étonnants en quelques semaines. Le moindre détail dans Harbour est ornement. Harbour invite Paul Valéry à la lecture des poèmes inépuisables de Mallarmé. La découverte de l'œuvre de Mallarmé sera l'un des plus grands événements de la vie de Valéry. De Valéry qui, pour l'instant, fait son service militaire à Montpellier. Or, le 28 mai 1890, l'université de Montpellier fête son 600e anniversaire. Il y a banquet à Palavas. Il y a foule. Mais c'est encore un conte de fées, le voisin de table du soldat Paul Valéry est un jeune homme venu de Paris pour la circonstance, il s'appelle Pierre-Louis. Nous composâmes à grands pas une amitié instantanée, écrit Valéry. Pierre-Louis, le public l'ignore forcément, mais dans quelques années, le tout Paris littéraire le connaîtra. Par Pierre-Louis, Paul Valéry s'approche du Paris qu'il aime, du Paris de Huysmans, de Gustave Moreau et surtout de Mallarmé. On imagine l'intensité de leur conversation avec, en arrière-plan, leur mysticisme, leur admiration pour Wagner et pour les beautés liturgiques, ce qui les rend exigeants et même un peu farouches. Pierre-Louis, le Parisien, n'a pas encore rencontré Mallarmé. Il n'a pas encore osé aller le voir rue de Rome un mardi. De Montpellier, c'est Valéry qui pousse Louis à oser aller rue de Rome un mardi. Pierre-Louis y va, est déçu. Sans doute s'attendait-il à voir Dieu. Deuxième essai. Pierre-Louis apporte à Mallarmé deux poèmes de Valéry. La réponse de Mallarmé est subite et merveilleuse. Mon cher poète, écrit-il à Valéry, le don de subtile analogie avec la musique adéquate, vous possédez cela certainement, qui est tout. On devine le bonheur de Valéry. Le meilleur ami de Pierre-Louis est André Gide, qui bientôt sera célèbre. À 2 ans près, Gide, Valéry et Louis ont le même âge. Louis parle de Valéry à Gide. Gide a un oncle à Montpellier qui est professeur de droit. Gide est soudain très pressé d'aller voir son oncle Charles.
Aussitôt à Montpellier, il rencontre Valérie. C'est le même enthousiasme. Et de nouveau, la composition à grands pas d'une amitié instantanée. Nous pouvons maintenant visiter les hauts lieux cachés de Montpellier que Paul Valéry a pratiqué avec Fourmont et qu'il révèle à Gide. Tels le Pérou et le jardin botanique. André Gide, dans Les nourritures terrestres, évoque ses promenades avec Paul Valéry, dont le second prénom est Ambroise. Je me souviens, écrit Gide, qu'avec Ambroise, un soir, comme au jardin d'Académus, nous nous assîmes sur une tombe ancienne qui est tout entourée de cyprès et nous causions lentement en mâchant des pétales de rose. Cette tombe ancienne passe pour être la tombe de Narcissa, la jolie belle-fille du poète Jung, qui la célébra et la pleura dans ses célèbres nuits. La pauvre Narcissa, atteinte de tuberculose, était venue guérir sous le soleil du midi. Les uns affirment qu'elle est morte en voyage, en 1736, à Lyon précisément. D'autres croient fermement qu'elle a été enterrée à Montpellier, dans un coin caché du jardin botanique. Cette croyance est si ferme qu'un cénotaphe y a été élevé et que cette phrase y a été gravée. Pour apaiser les mânes de Narcissa, Valéry fit de cette phrase l'épigraphe de son Narcisse et Gide, dans le même mouvement, écrivit le traité du Narcisse. Le lecteur de Valéry peut retrouver dans Monsieur Test, qui fut écrit dans cette maison, ou plutôt dans une lettre de Madame Test, le souvenir du jardin botanique. Il faut en finir cependant. Voici l'heure de la promenade quotidienne. Je vais mettre mon chapeau. Nous irons doucement par les ruelles fort pierreuses et tortueuses de cette vieille ville que vous connaissez un peu. Nous allons, à la fin, où vous aimeriez d'aller si vous étiez ici, à cet antique jardin, où tous les gens à pensée, à souci et à monologue descendent vers le soir, comme l'eau va à la rivière et se retrouve nécessairement. Gide fut frappé par la petite phrase que Valéry avait accrochée au mur de sa chambre. « Méfie-toi sans cesse ». Valéry, tout jeune, savait qu'il fallait se méfier sans cesse et pas seulement du langage et pas seulement des choses vagues. Ainsi, Valéry, jeune, se fait enlever, ravir, par la silhouette d'une femme qui va l'obséder pendant plusieurs années. Il ne lui parlera jamais. Elle s'appelait, disons, Madame de Rove. C'est dans ces rues de Montpellier qu'il la croise, qu'il la guette, qu'il la regarde passer, qu'il la suit. Deux ans plus tard, se trouvant à Paris, il va au concert. Devant lui, et brusquement il cesse d'entendre, se croit fou, Madame de Rove est assise. Est-ce bien elle ? Paul Valéry a un ami qui, étant secrétaire d'Émile Loubet, est en rapport avec la police. Il demande à cet ami, aux Zillon, de se renseigner. La police doit bien savoir si Madame de Rove, tout à fait inconnu, était à Paris ce jour-là. Étonnant, non? Cette extrême sensibilité, il s'est vu voyant Madame de Rove, Valéry l'a exprimée plus tard ainsi. Comment peut-on ne pas se cacher
pour sentir. Parenthèse, une lettre à Gide nous apprend que Paul Valéry avait surnommé Madame de Rove la Méduse. Nous pouvons donc relire avec une impression nouvelle cette phrase de Valéry dans Degas, danse, dessin à propos des méduses. Mallarmé dit que la danseuse n'est pas une femme qui danse, car ce n'est point une femme et elle ne danse pas. Cette remarque profonde n'est pas seulement profonde, elle est vraie. Et elle n'est pas seulement vraie, c'est-à-dire se fortifiant toujours plus à la réflexion, mais encore elle est vérifiable. Et je l'ai vue vérifiée. La plus libre, écrit Valéry, la plus souple, la plus voluptueuse des danses possibles m'apparut sur un écran où l'on montrait de grandes méduses. Ce n'étaient point des femmes et elles ne dansaient pas. Les parenthèses nous font glisser sur le temps. Revenons en 1890-91. Paul Valéry monte à Paris. Il va rue de Rome. Mallarmé le reçoit. Valéry note. Il ouvre lui-même, petit, l'impression d'un bourgeois tranquille et fatigué de 46 ans. Sous la lampe très faible, la mère et la fille brodent. À l'angle, un haut poêle de faïence. La pipe. Yeux mi-clos, paroles mortes, très basses. Puis soudain, grands yeux et hautes phrases, avec des aspirations. Valéry aura pour Mallarmé admiration et amour filial. Admiration pour l'œuvre d'une beauté qui le désespère, parce qu'on ne peut pas la dépasser. J'écris pour essayer, notera Valéry, pour faire, pour préciser, pour prolonger, non pour doubler ce qui a été. Plus de 50 ans après cette découverte de Stéphane Mallarmé, l'étonnement de Valéry est toujours aussi vif. Je n'ai jamais pu, dit-il, apprendre une leçon par cœur. Or, il arrivait que les vers de Mallarmé se fixaient d'eux-mêmes, sans le moindre effort, dans ma mémoire. Comment ne pas envier cet extraordinaire accord, si naturel, apparemment, entre les vers de Mallarmé et la mémoire du lecteur Paul Valéry. Paradoxe, peu de temps après sa première rencontre avec Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, à Gênes, une nuit d'orage, fait en lui-même ce que Denis Berthollet appelle un coup d'État. Valéry l'écrit. À l'âge de 20 ans, je fus contraint d'entreprendre une action très sérieuse contre les idoles en général. Parmi les idoles, il y a la Méduse, certes. La force de l'absurde est incroyable, mais il y a aussi tout ce qui, jusque-là, lui avait été cher. La littérature, la poésie, disons, les résultats. Tout ceci me conduisit à décréter toutes les idoles hors la loi. Je les immolai toutes à celles qu'il fallait bien créer pour lui soumettre les autres, l'idole de l'intellect, de laquelle M. Teste fut le grand prêtre. Malgré ce coup d'État, Valéry ne cessera pas brutalement de composer. « L'œuvre en moi, écrira-t-il, ne procède pas d'un besoin intérieur, c'est le travail mental qui, chez moi, est besoin. » Pendant toute sa vie, Paul Valéry restera fidèle à cette idée. On connaît la première phrase provocatrice de la soirée avec M. Teste. « La bêtise n'est pas mon fort. » On peut dire, me semble-t-il, que la bêtise est la science du particulier. Or, pour Valéry, seul ce qui est général mérite d'être pensé.
Mon esprit, écrit Valéry en 97, est généralisateur et en dehors des mathématiques, ce point de vue est inconnu. Ailleurs, dans une lettre à un ami, Fontaine, il écrira « Je ne puis me lasser de lire les ordres de bataille, par exemple, et je généralise tout de suite, je passe à l'art de penser. Je vous prédis un continent que le jour où cet art-là sera découvert et employé comme je le pressens, comme j'en suis sûr, il faudra bien que beaucoup de choses changent. » Et c'est au moment où il se met à écrire « La soirée avec Monsieur Test », 1894, qu'il commence à écrire ses cahiers. Il travaillera à cet art de penser tous les matins, abrégeant le sommeil de la fin des nuits, jusqu'à sa mort. Il y a 257 cahiers. Cet art de penser exige l'application du « Méfie-toi sans cesse » inscrit sur le mur de sa chambre à Montpellier. Il faut par exemple se méfier du langage. Le langage n'a jamais connu la pensée, écrit-il. Et encore, dans une lettre à Gide, « J'ai voulu jeter mes bottines au nez des mots au lieu de les leur cirer. » C'est dans une revue qui dura peu, Le Centaure, que sera publié pour la première fois, en 1896, La soirée avec Monsieur Test. La table des matières du Centaure indique Paul Valéry, La soirée avec Monsieur Test, nouvelle. Nouvelle, Valéry n'a pas dû apprécier ce mot. Une nouvelle, c'est presque un roman. Or, le roman est un genre naïf, pense Valéry. Monsieur Test n'appartient certes pas au genre naïf. C'est néanmoins une fiction. Il y aura l'épouse de Monsieur Test, la nièce de Monsieur Test, Emma. Valéry, en prose, fera tenir à Emma, fragilement, des propos brefs qui sont des éclats de poèmes, exemple. Mes seins m'étonnent, qui annonce, en bref, deux vers de la jeune Parc et quel frémissement d'une feuille effacée persiste parmi vous, île de mon sein nu. J'ai osé parler de fiction à propos de Monsieur Test, mais Monsieur Test n'est pas tout à fait un personnage fictif, exemple. Autrefois, dit Monsieur Test, il y a bien 20 ans, toute chose au-dessus de l'ordinaire accomplie par un autre homme m'était une défaite personnelle. Bien. Voici par ailleurs ce qu'écrit Valéry à Gide en 1894. Te rappelles-tu? Je te disais abandonner les idées que j'avais dès que d'autres me semblaient les avoir. C'est toujours vrai. Je veux être maître chez moi. Que peut l'homme, réplique Monsieur Test. Revenons sur terre, je veux dire sur terre biographique. Depuis 1894, Valéry vit à Paris. Il est licencié en droit, mais il ne sait que faire de cette licence. Obéissant à Huysmans, il se présente au concours de rédacteur au ministère de la guerre. Il est reçu, mais le ministère ne le convoque pas. Il part pour Londres, appelé grâce à un ami de Mallarmé par l'état-major de Cecil Rhodes, qui donnera son nom à la Rhodésie, pour traduire des articles sur l'Afrique du Sud. Valéry y découvre la combativité de ces Anglais-là. Il admire leurs ordres de bataille et est étonné par l'action. Retour de Londres, il assiste à la première du Burois. Valéry est enfin nommé rédacteur au ministère de la guerre à la direction de l'artillerie. Il vient d'écrire un essai sur l'expansion germanique, la conquête allemande. 1898, Valéry écrit à Gide « Je suis anéanti. Mallarmé est mort hier matin. J'ai senti cette nuit où je n'ai pu me coucher toute l'affection que j'avais pour cet esprit. » Et quelques jours plus tard, « Enfin, j'ai perdu l'homme que j'aimais le plus au monde et de toute façon, pour mes sentiments et ma manière de penser, rien ne le remplacera. »
tout cela est irréparable. 3 mois plus tard, chez Henri Rouard, grand ingénieur et grand collectionneur, Degas présente Paul Valéry aux demoiselles Gobillard et Manet. 1 an et 3 mois plus tard, Valéry écrit à son ami Fourmand « Je suis fiancé depuis quelques jours à mademoiselle Gobillard. » Cette jeune personne s'apparente à la famille du peintre Manet. M'unir à ce milieu, poursuit Valéry, avait été un des projets de Stéphane Mallarmé, et cela se fait. Je suis fort abasourdi, charmé. Jeannie Gobillard se marie avec Paul Valéry le 31 mai 1900. Ils auront 3 enfants, Claude, Agathe et François. La naissance d'Agathe Valéry, qui deviendra Madame Valéry Rouard, est l'occasion pour nous de nous reporter à l'introduction biographique qu'elle a écrite pour la Pléiade. En 57, il y a 40 ans, ça, oui. Le tome 1 de la Pléiade, oui, a été publié avec un travail, oui, épatant. Oui, on me l'a demandé... On l'a demandé 2 ans avant, probablement, parce qu'il a tout de même fallu que je recherche pas J'imagine, mal de choses. Oui, beaucoup de choses. Et, bon, je vais... Il y a une page par année, à peu près. Hein. Oui, oui, oui. C'est un travail tout à fait épatant, parce que ça suit la vie... Vous savez, même pour moi, c'est plus facile que de changer de date, de retourner en arrière, etc. On ne peut pas faire ça autrement. Mais ça m'a beaucoup intéressé énormément. Et d'ailleurs, dans la salle à manger où je mettais toutes ces choses, on ne pouvait plus prendre les repas parce qu'il y avait sur la table de la salle à manger, il y avait toutes les photographies que je voulais mettre et par terre, toutes les épluchures de papier que j'avais jetées. Alors, ce n'était pas possible mais j'ai travaillé longtemps pour ça. Alors, on rencontre, on va passer tout de suite à l'année 1906. Oui. 7 mars, naissance de la fille de Paul Valéry. Une petite demoiselle arrive ce matin chez nous. Mm. Bon. Il écrit cela à André Gide. Cette petite demoiselle, c'est vous. Nous allons parcourir cette biographie. 1900 toujours, Valéry quitte le ministère de la guerre. Il devient pour 20 ans le secrétaire particulier de M. Édouard Lebay, l'un des administrateurs les plus influents de l'agence Havas. Cette situation lui permet d'être bien informé. Elle permet aussi, je cite, de se réserver beaucoup de temps pour son travail personnel. 1901, Valéry écrit à sa femme « Quel orchestre bizarre je porte, avec 3 ou 4 thèmes capitaux, et un thème de silence singulier. » Ces années sont en effet des années de silence, à l'exception des cahiers, travail, exercice quotidien. 11 ans plus tard, 1912, Gaston Gallimard, à la demande d'André Gide, lui propose d'éditer ses poésies, plus la soirée avec M. Test, plus la méthode de Léonard de Vinci. « Mon hésitation existe », écrit Valéry à Gide. Un peu de temps a lieu, puis Valéry accepte. « Je crois, hélas, dit-il, que ça y est. » Mais il demande, je cite, « à retoucher ces vieux vers et en ajouter d'autres pour la publication. » C'est ainsi qu'il entreprend cet exercice qui sera la jeune Parc. J'ai songé à écrire une pièce de 30 à 40 vers et... Je voyais quelques récitatifs d'opéra à la Gluck, presque une seule phrase, longue et pour contralto. L'année suivante, travaillant en Bretagne à ce poème,
il écrit à sa femme, l'autre soir, vers la pointe, les lits de galets redescendant après chaque vague me faisaient la musique dont j'ai essayé de donner l'idée. Valérie dit du poète qu'il est un homme pour qui les sons du langage ont une importance égale, égale, vous m'entendez bien, à celle du sens. « 28 avril 1917, publication de la Jeune Parc. Son obscurité me mit en lumière, sourit Valéry. Cette publication fit, entre guillemets, assez de bruit, dit-il. C'était le bruit de la gloire. » À l'intention des personnes qui n'ont jamais lu la Jeune Parc, cette question. Allons-nous lire un fragment du poème ? Non. Il est bon, quand on lit la Jeune Parc pour la première fois, d'être seul avec le texte et d'être seul avec sa propre voix. Qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul avec diamants extrêmes ? À partir de la Jeune Parc 1917, la vie de Valéry change. Valéry est comme un fleuve caché devenu brusquement visible. Tout le monde veut le voir, le monde entier des salons. Les salons sont mondains, mais pas seulement. Il y a des princesses utiles qui créent des revues littéraires qui comptent encore aujourd'hui, et probablement pour toujours, parmi les plus beaux meubles ou les plus belles réussites des années 20. On a du mal à concevoir cela aujourd'hui, les princesses nous manquent. Je reviens au fleuve caché. On conçoit bien l'attente. Valéry est un poète dont on attend l'œuvre prochaine. Il ne peut pas ignorer cette attente. Il y répond sans se hâter, sans renoncer à ses cahiers, au travail du petit matin consacré à l'intelligence, à l'intellect. Il doit même, sachant que toute œuvre de lui est convoitée à l'avance, prendre un plaisir fou le matin à ne pas faire une œuvre, mais à faire un travail qui, à la fin, lorsqu'il sera fini, constituera un monument ou un exemple, quelque chose qui tient tout seul debout, comme tiennent toutes seules les constructions mathématiques qui se moquent de la pesanteur. La pesanteur, Valéry va la rencontrer en 1920. C'est une merveilleuse rencontre avec K, Catherine Pozzi. Chacun peut lire son journal, il est publié. K nourrit la rubrique Eros des cahiers de Valéry. Valéry assure toujours le secrétariat particulier d'Édouard Lebet, administrateur de Havas. C'est son seul salaire fixe. Mais M. Lebet meurt en 1922. C'est une perte d'amitié, c'est aussi une perte. Valéry, à 50 ans, se trouve, entre guillemets, sans situation sociale. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. On ne peut donc pas lui reprocher d'accepter quelques-unes des propositions qui lui sont faites. Conférences, causeries, commandes, et leur suite, déplacements, voyages, réceptions. 1923, c'est l'année de Palinos, écrit sur commande. Ce qui prouve qu'un livre écrit sur commande peut être admirable. 1923, un ami académicien lui fait penser à l'Académie française. Deux ans plus tard, 1925, Paul Valéry envoie à son ami André Gide, qui est au Congo, une carte postale représentant le casino de Deauville. Au dos, Valéry écrit « Ils m'ont élu ». C'était vrai. De cette époque, ces images de Marc Allégret. Gide avait envoyé un mot à Valéry. « Je pourrais passer te prendre à l'heure que tu fixerais ». On ferait cinéma, point de suspension. En 1933, Valéry écrit à Einstein. La lettre commence ainsi. Cher monsieur, j'ai lu avec tristesse et dégoût dans les journaux le traitement qu'une politique insensée et bestiale vous a infligé.
La même année, 1933, Valéry est nommé administrateur du Centre universitaire méditerranéen qui s'établit à Nice et a pour vocation d'étudier ce que fera Braudel plus tard, la Méditerranée comme civilisation. Valéry apprendra en 1941 que Vichy l'a destitué de son poste. Ce ne sont là que quelques instantanés. Quel qu'ait été le tourbillon, Valéry n'a jamais cessé d'écrire très tôt le matin sur des cahiers très simples, où le cœur finit par l'emporter sur l'esprit. Spontanément, c'est la simplicité de ces cahiers qui frappe. Nous les avons regardés avec François Valéry, son plus jeune fils. Quand on regarde ce cahier, qui est le dernier cahier qui a été utilisé par votre père, jusque quelques jours avant sa mort, c'est un cahier d'écolier, c'est un cahier dont le papier est très, très simplé. Ça lui ressemble bien, il n'avait aucun fétichisme ni du papier, ni d'autre chose. C'est-à-dire qu'il avait un fétichisme de belles éditions et du beau papier. Ouais, on a fait de lui des éditions qui sont superbes, mais pour son travail personnel, il n'avait en effet aucun, ça ne peut pas être plus simple que ce cahier. Enfin, c'est le cahier de n'importe quel écolier, ouais. Naguère, en se rendant à ses cours. Mais il y a d'autres cahiers qui sont différents. Enfin, c'était pas un choix délibéré. On voit d'ailleurs ici, il y a des cahiers qui sont un peu plus, on dirait, d'une classe un peu supérieure. Quand vous partiez le matin, vous aperceviez votre père à sa table de travail ou... C'est-à-dire non, parce que la table de travail était dans son bureau, et son bureau était séparé de la salle à manger, qui était la pièce de réunion, ouais, de la famille, par un salon. Il n'était pas enfermé dans son bureau. D'abord, le matin, il passait par la salle à manger et il mettait à tue-tête la radio. Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'il n'écoutait pas. Puis sortirait, moi ça me réveillait quand j'étais vraiment un jeune écolier, c'est-à-dire très utile. Parce que il mettait ça... à 5 heures du matin. Ah non, pas 5 heures du matin, non. La télévision commençait vers 7 heures du matin. La radio. Mais, la radio, je veux dire, oui. Mais enfin, il parcourait cette salle à manger, il allait souvent, par exemple, se refaire un café qu'il voulait extrêmement fort. Il prétendait qu'il le voulait si fort que la petite cuillère tenait tout droit dans la tasse, ce qui me paraît un peu excessif. Et donc il passait par là, il mettait la radio, et puis il se retournait dans ce bureau. Mais moi je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'impression que ce bureau fût terriblement gardé, ou terrible, ce n'était pas une sorte, ni une antre, ni un sanctuaire. C'était une pièce où il habitait, où il vivait, et il avait à la main sa cigarette qui fumait. Il a beaucoup dessiné la main et la cigarette. Il a beaucoup dessiné la main, et la main était un de ses thèmes favoris. Il avait un certain nombre de thèmes dans ses dessins. Je crois que la plupart des écrivains, finalement, ont dessiné. Et on peut dire, par exemple, je ne sais pas, les dessins de Victor Hugo sont probablement plus importants et plus impressionnants que ceux de mon père. Mais ce qu'il y a d'assez intéressant dans ceux de mon père, c'est que ça correspond très bien à son mécanisme intellectuel. Alors la main, les vagues, le bateau, sur les couvertures, hein, l'idée faite avec les couvertures, c'est un peu comme des vagues d'ailleurs, si on veut, et des carènes de bateaux, des voiles, toutes les formes que l'on retrouve dans beaucoup de ses dessins. Juste avant sa mort, dans son dernier cahier, à la dernière page de ce dernier cahier, Valéry écrit « Après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. » Je connais, premièrement, assez bien mon esprit. Je crois que ce que j'ai trouvé d'important, je suis sûr de cette valeur, ne sera pas facile à déchiffrer de mes notes, peu importe. Deuxièmement, je connais Maillard aussi. Il triomphe, plus fort que tout, que l'esprit, que l'organisme. Voilà le fait, le plus obscur des faits. Le cœur consiste à dépendre. En somme, je me sens dans un au-delà. Rien ne m'est plus, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qui pourrait me faire plaisir dans ce qui est possible. »